ordinary days do. Need a aggress beef, not begin a high, nip a neck in the same, just smiling nice. I'm grinding eyes, le putex a mepus, be the needle timis, as a martinist, na. But money, why a wish, what a them set the princess, they all my geese, the matrix is all a kiss, be taggy, be tease. If I'm a deaf daughter, to the little sabi, they come made. Mon nom, c'est Ismaël Mané, mais alias Ismaël Prince. Pourquoi Ismaël Prince? C'est mon prénom, Ismaël. Et le prince, parce que les balantes sont des rois. Et comme je suis un petit dans balante, genre, d'où me vient le nom prince, quoi, quelque soit. Je sais que vous êtes artiste, chanteur. C'est quoi votre style musical, vous? Ben, mon style musical, c'est le pop, l'afro-pop. Pourquoi c'est l'afro-pop qui vous intéresse? L'afro-pop, parce que d'après mon éducation, il y a d'abord le gospel qui est là parce que je faisais partie de la chorale de mon église, et l'influence pop aussi, la musique hip hop et tout. Donc c'est là, tout ce mélange là définit un peu mon style musical aussi, hein, quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre discographie? Discographie, bon, pour le moment je n'ai encore rien fait, mais j'ai fait quelque chose quand même de concret cette année. Mon EP qui est sorti digitalement le 3. Ce 3, l'EP est composé de 5 titres, et j'ai eu aussi à faire en 2010-2011 un single intitulé Sénégal Sénégal. Et c'était mon premier single. Ouais, c'est là. Alors, dans votre musique, quelles sont les thématiques qui vous intéressent? Disons un peu. De quoi parlez-vous? Disons un peu du tout, quoi. Parce que dans l'EP, on trouve trois chansons d'amour. On trouve une chanson de sociale, un peu sociale, quoi, genre style talibé, aide aux enfants de la rue. Et l'autre qui parle un peu de ma culture d'origine, la Guinée-Bissau. Ouais. Vous étiez arrangeur depuis l'âge de 16 ans, en travaillant notamment avec divers artistes dans plusieurs studios. Alors, ça veut dire que vous avez commencé à travailler très tôt? Oui, à la base, avant d'être chanteur, j'étais d'abord instrumentiste. Voilà. Donc, à l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à jouer au djembé à l'église. Puis après 3 ans, 4 ans après, j'ai voulu évoluer et j'ai appris à jouer le piano. Piano 2, 3 ans après, je me suis mis à la batterie parce qu'on n'avait plus de batteur dans l'église. Bon, j'étais obligé de m'adapter. Et après ça, j'ai pris un peu de cours de guitare. Donc du coup, ce qui fait de moi un musicien avant d'être chanteur. Voilà. Et quelles sont vos ambitions aujourd'hui dans le showbiz? Dans le showbiz, je veux vraiment percer, quoi. Franchement, être au top de la musique sénégalaise, pour dire la world music, en quelque sorte. Vous voyez, faire des festivals de gauche à droite, ne pas avoir du temps, quoi. C'est ce que je prie. Oui. Ça nécessite certainement des moyens et un carnet d'adresses bien fourni. Est-ce que vous êtes prêt sur ce plan? Ben, non, je ne suis pas encore prêt, mais on est là-dessus quand même. Parce qu'il y a des gens qui me soutiennent de gauche à droite. Et c'est très important pour moi. Parce que c'est tout au début de ma carrière qu'ils sont là, quoi. Genre, j'ai confiance en eux. Ouais. Voilà. Ceux qui vous soutiennent là, pourquoi ils s'intéressent à vous? Parce que, pour commencer, déjà, ils aiment la musique que je fais. Et ils voient aussi en moi la qualité de mes écritures et mon humanisme aussi. Et mon éducation aussi, ça compte. Il y a beaucoup de choses que je peux dire de moi, mais pour ne pas me jeter des fleurs, je préfère laisser l'avenir définir ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent de moi. En 2010, justement, vous faisiez partie des 36 personnes qui ont été sélectionnées sur 2000
lors du concours qu'avait lancé Youssoundou Relève Bi. Après cet événement, qu'est-ce que ça a changé dans votre carrière? Je ne comptais pas être chanteur, mais quand même instrumentiste. Et c'est par défi que j'ai relevé, grâce à mon grand frère qui a tout fait pour moi pour que j'aille participer dans ce concours, parce que je l'ai fatigué à la maison en me disant que non, les gars qui chantent là, ils ne sont pas forts et tout. Donc du coup, il m'a dit, ok, donc comme toi, tu te crois plus fort que les autres, allons-y, alors je t'inscris à l'émission, on voit ce que ça donne. Voilà, donc quand je suis parti à l'émission, il y avait des castings et tout. Je suis parti et on m'a retenu. Parmi les 36, ben, et j'en faisais partie. Ouais. Et qu'est-ce que cela vous a apporté d'être retenu parmi tant de personnes? D'abord, il y a l'expérience scénique. On était dirigé par de grands musiciens, Dembel Diop qui était au Super Diamono, Omar Sow qui était au Super Étoile, Youssoundour. Il y avait aussi Adolphe Colli, le vocaliste qui est au Centre culturel Blessinger, oui, Blessinger, je pense, et tant d'autres personnes. Hein. Ouais. Et quels sont vos rapports avec les grands musiciens, les grands chanteurs qui sont sur la place déjà avant vous? Mes rapports, disons que je côtoie déjà pas mal d'artistes. Oui, les grands comme les Ndongodi de Dargi, les Fade Freddy, surtout les musiciens aussi, comme Dembel Diop dont je vous parlais tout à l'heure là. Ouais. Qu'est-ce que vous apprenez d'eux? L'humilité surtout. Oui. Et la patience aussi, parce que j'étais pas du tout patient. Ouais. Vous vouliez les résultats tout de suite? Voilà, c'était ça. Ben, juste pour vous dire que j'ai compris ce que les grandes personnes disaient, des gens, quand on est petit, on pense comme un petit, mais quand on est grand, on pense et on réagit comme des grands. Alors, Ismaël Prince, moi, je vais vous demander déjà de vous montrer ce que vous savez faire en matière de musique. Vous prenez votre guitare. Une chanson qui fait partie de l'EP. On appelle My Kiss. Dédié à tous mes fans, à tous mes amis. Ça parle de l'amour. Laissez-moi chier d'abord. Ordinary days do need a good beef, not begin a high neck in the same joy, smiling nice, and grinding eyes. Le putex a me bus be the needle timis, as a martinis na. But money, why a wish, what a damn set a princess, they all my geese, the matrices all a kiss, be taggy, be tease. If I'm a deaf daughter to the little sabi, they come mayday, mayday. If I'm a ya play my day, boy, please. Okay, if I'm a geese, some honey, baby, baby, I'm coming home, my geese, la. How my lume deaf boy, why fuck my kiss, la, and give some penny kiss, jarra la, my same piguigi, take a bala, rough gal, gal, yakini, not for jet, I lost, but damn, I'm ready, even damn, yeah. I'm so ready for your shaka. Let the kiss. Miss my ma Benny 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 kiss. Merci bien, Prince. Est-ce que vous composez vous-même vos textes? Oui, moi-même je compose mes propres. Mais j'écris, je compose la mélodie et le BPM, ce qui veut dire la vitesse de la chanson et tout. Ouais. Arrivé au studio avec mon ingénieur et mon batteur qui est vraiment mon bras droit. Quoi. Lui, il m'aide vraiment dans mes projets musicaux. Voilà, et on bosse les sons. Alors, ayant commencé à travailler à 16 ans comme arrangeur, vous avez eu une vie scolaire ou pas? Vous avez été à l'école jusqu'à quel niveau? Oui, ben, malheureusement, quand j'ai eu le bac, j'ai arrêté mes études
parce que ce que je voulais faire et c'est que et l'option que j'avais à faire n'était pas cool quoi par rapport à moi. Ce que c'était quoi? Voilà, moi je voulais être ingénieur de son, je voulais faire l'ingénierie de son. Et comme j'avais une préinscription au Canada et j'avais pas les moyens de me payer ces études-là, auparavant ici il n'y avait pas d'école d'ingénierie de son. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je sais pas s'il y a toujours une école d'ingénierie de son, mais ça m'étonnerait, je ne sais pas. En fait, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'ingénierie de son dès le départ? C'est toujours dans, je peux dire, l'influence musicale aussi que j'ai eue. Hein. Oui, parce que l'ambiance du studio et quand on finit un projet, la joie qu'on a d'écouter ce qu'on a travaillé. Ouais. Alors, et après le concours Relève dont nous avions parlé tantôt, vous avez montré un groupe Silé. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Le groupe est toujours là. C'est un groupe. Quand on parle de groupe, c'est parce qu'il y a, il y a au moins deux personnes. Voilà, donc ça c'est un autre projet parallèle à, au projet d'Ismaël Prince. Vous voyez un peu. Donc comme dans le groupe, il y a des étudiants, il y a des musiciens, il y a des élèves de gauche à droite. C'est tellement difficile d'avoir quelque chose de concret quand on est un groupe. Bah, bon. Et donc du coup, comme... C'est vous qui aviez monté le groupe? Ben oui, à la base c'est moi, parce que c'est, oui, après l'émission Relève Vie, comme il n'y avait pas de suite, je me suis dit voilà, donc pourquoi pas ne pas monter quelque chose, comme il n'y a pas de suite et qu'il y a de bons musiciens et de bons chanteurs dans le groupe qui erraient ben, sans rien faire, parce qu'ils espéraient au résultat de l'émission, qui malheureusement n'a pas eu lieu. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un groupe et essayer de jouer dans les endroits, dans les hôtels et les restos. Ouais. Et est-ce que ça marche? Oui, ça a marché 1 an, 2 ans. On a galéré aussi. On a fait des trucs incroyables ensemble. Après 3 ans, 4 ans, au bout de la 4e année, voilà, comme... ma vision musicale ne se limitait pas juste à faire un groupe et à évoluer lentement. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose pour Ismaël Prince et c'est de là que j'ai commencé à faire mes propres projets à moi. Mais n'empêche qu'il y a toujours le groupe là, ça est. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui vous motive à vouloir vous relancer dans une carrière solo aujourd'hui? Une carrière solo, c'est parce que déjà, il y a des chansons que j'écris souvent. Moi, je comprends mes textes. Je comprends mon feeling. Je j'ai envie d'exprimer ce que je pense. Ça peut ne pas être la même sorte pour l'autre. Donc forcément, il y a une coïncidence. Voilà. Donc, pour Ismaël Prince, ce sont les sons d'Ismaël Prince, et pour Saïlé, ce sont les compositions et les sons de Saïlé. Et est-ce que vous allez continuer plutôt à travailler avec le groupe ou bien, bon, le groupe, vous avez mis une croix pour évoluer tout seul? Non, on n'a pas mis une croix. C'est juste que quand on s'est dit que quand tout le monde aura le temps, voilà, on va continuer ensemble alors de faire. Donc c'est le temps qui fait défaut? Voilà, c'est le temps qui fait défaut. Parce que moi, j'ai tout lâché pour la musique quoi, en quelque sorte. Donc il faudrait pas que j'aie des choses qui me ralentissent. Est-ce que vous me comprenez un peu? Voilà, donc Et si vous avez tout lâché pour la musique, est-ce que ça suppose que vous parvenez à vivre de votre musique? Oui, par la grâce de Dieu, on va dire. Qu'est-ce que vous gagnez par mois par exemple? Je joue dans les endroits, j'ai des invitations, souvent je fais des petites tournées dans les sous-régions, la Guinée-Bissau, genre quoi. Souvent au Guinée-Bissau ou... Ah oui, souvent au Cap-Vert aussi, j'y vais avec une ou deux personnes de mon groupe, on y va, on fait le show, on revient, business quoi. Donc vous êtes connu
dans les pays voisins. En tant que, pas en tant que une méga star, quoi, je veux dire. Mais en tant qu'un humble genre. mais pas en tant que ministre non plus. Ben, si, je suis une petite star. Ouais, on peut dire. Ouais. Et quand les gens vous invitent comme ça, comment est-ce que vous organisez? Si c'est à l'étranger pour y aller, est-ce que ce sont eux qui payent votre transport, le billet et autres? Mais bien sûr, quand on a une invitation, il y a un nombre limité. Et c'est eux qui gèrent tout, hein, déplacement. Ouais, même arrivé là-bas, la communication aussi, c'est eux. Ils te mettent à l'aise. Franchement, ça, c'est cool. Hein. Ouais. Mais ici à Dakar, est-ce que les gens vous connaissent, voient ce que vous faites et ils s'intéressent à votre musique? Disons pas encore. Hein. Mais quand il y a une semaine maintenant, moins d'une semaine même, la sortie de l'EP, oui, on a eu des appels très importants, des propositions qu'on ne croyait même pas. Et on prie Dieu pour que ça continue comme ça. Bon, si vous voulez bien nous jouer autre chose, parce que je pense que vous faites différents types de musique, si vous pouvez nous donner encore un autre air, on va apprécier. Okay. Boy, but to the love one. Yon me sorry, love. Can money dimble? Dem and the will yat. War off a table leaf. Dem not a supper their keys. Ooh, no. Fuck na day the war, the man in need the day achieve. Can mommy Sarah, Sarah, oh, nam na len, lol, so ring in my lol, nyolen, yeah, jersey, and he said, my bye, papa. Ani sama ya mama ani sama bye papa ani sama ya mama ani sama bye Anissa me vai papa. Maintenant, comment est-ce que vous comptez monnayer ce talent là? Ok, ça c'est une bonne question, hein, sérieux. J'attends donc une bonne réponse. Ouais, espérons que je continue sur cette lancée là et espérons aussi d'une autre part que j'ai des propositions. Ouais. C'est très important aussi. Moi, je fais juste ce que j'ai à faire. Après, ce qui vient, ça dépend pas de moi, en quelque sorte. Voyez un peu. C'est, ben, disons un peu, c'est d'ordre spirituel d'abord. Disons, ouais, il faut que Dieu me mette d'abord. Vous êtes croyant? Oui, je suis croyant, je suis chrétien. Ouais. Disons que Dieu mette d'abord, après à envoyer des personnes envers moi. Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu la journée d'un musicien ou d'un chanteur? Quand le jour se lève, qu'est-ce que vous faites jusqu'au soir? Ok. Donc, ok. La journée d'un vrai musicien, je dis. D'un vrai musicien. Ok. Voilà, la journée d'un vrai musicien commence vers disons dans l'après-midi. Et souvent il y a un programme, soit studio ou bien répétition,
ou bien il y a un spectacle. Voilà, ces trois-là, la vie d'un musicien tourne autour de ces trois points. Ok, on dort tardivement aussi. On a beaucoup de coups de fil, beaucoup de messages à répondre. De la part de... De la part des proches, des musiciens, des fans, des parents aussi, parce que c'est pas évident de se voir dans la matinée. Vous voyez un peu. Et les frères, les cousins, les papas et les mamans vont travailler à l'école. Et la jeune fille aussi. Ben, les jeunes filles aussi. Ben, c'est la même chose, hein, je pense. Parce que souvent, quand on a une copine, on est obligé de se voir la nuit, que ce soit, soit dans les salles de répète, ou bien dans nos spectacles, ou bien au studio. Ouais. Et quand on est musicien, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de temps pour la famille? Ben, on a le temps, mais moins de temps, quoi. Moins de temps pour la famille. Ouais. Peut-être même les jours ordinaires, ça va, quoi. Mais à partir de jeudi, vendredi, par exemple, impossible de voir. Enfin. Quels sont vos rapports avec la Guinée-Bissau, votre pays d'origine? Mes rapports, d'abord, c'est l'origine que j'ai. Mes parents aussi sont de là-bas. Oui, ils sont nés là-bas. Ils ont fait l'école portugaise et quand on a une culture, la culture te suit jusqu'à ce que tu sois grand. Voilà, donc, et pour découvrir le pays, je suis allé en 2011 découvrir le pays, voir ce que ça donne, ce que les gens disent de la Guinée-Bissau, que c'est bon, c'est doux, c'est vilain, mais c'est doux. Ben, je comprends. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand on dit que c'est un narco-État, est-ce que ça vous choque, un État trafiquant de drogue? Ben, ça me choque un peu parce que si on dit que le gars-là, c'est un dealer, il faut déjà avoir l'image d'un dealer. Si on me dit que le pays est un pays de trafiquants, ça ne se voit pas parce que Il n'y a pas de building comme ici, genre, et il n'y a pas aussi la beauté d'un pays, quoi, on peut dire, côté infrastructure et tout. Ouais, voilà. Et si vous réussissez demain dans la musique, est-ce que vous êtes prêt à aller changer les choses en Guinée-Bissau, aller investir, faire plein de choses? L'investissement, oui, j'y ai pensé. J'ai pensé faire un studio de son là-bas, mais d'abord ici, au Sénégal, d'abord, il faut que je fasse ici des choses d'abord, parce que je suis Sénégal, je suis né ici, voilà, et je suis Sénégalais d'origine bissau-guinéenne, donc pour commencer quoi que ce soit, ça doit être d'abord ici, dans mon pays, et puis en Guinée-Bissau. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des jeunes Sénégalais comme vous qui se battent pour avoir une vie meilleure, pour avoir un avenir? D'abord, les études, c'est important. Ouais, c'est important d'étudier. Vraiment important d'étudier. Si j'avais les moyens de retourner à l'école, je le ferais sans même hésiter, quoi, et continuer en même temps la musique. Voilà. Donc, les jeunes, soyez un peu concentrés et focalisez-vous d'abord sur les études. Après, le reste va venir. Mais vous aviez dit que après le bac, vous aviez souhaité aller au Canada étudier l'ingénierie de son, mais que vous n'aviez pas de moyens. C'est pourquoi vous êtes resté. Mais ne pas pouvoir aller au Canada faire l'ingénierie de son, vous auriez pu faire autre chose à l'époque ici. Oui. Mais vous l'avez pas fait. Vous avez abandonné. Mais aujourd'hui, vous dites que si c'était à refaire, vous allez repartir à l'école. Bien sûr, si c'était à refaire, j'allais repartir à l'école. Essayer d'aimer quand même une matière comme le génie civil, par exemple. Ouais, ça c'était une option que je devais faire. Mais comme ce que je viens de vous dire,
quand on est petit, on pense comme petit, on réfléchit comme petit. C'est ça. Maintenant, là, avec l'expérience que j'ai eue, quand même, c'est 5 ans que j'ai fait. Parce que j'ai eu le bac depuis 2010-2011. Ouais. Vous avez eu quel bac? L'prime. L'prime 2, disons L2, quoi. Ouais. Avec L'prime, il y a quand même beaucoup d'options en dehors de l'ingénierie de son. Mais avec l'influence, c'est, je reviens encore parce que je fréquentais déjà les studios de son et je côtoyais déjà des artistes. Voilà, donc j'aimais trop cette ambiance-là. Et jusqu'à présent, je rêve de ça. Alors Ismaël Prince, pour terminer, il va falloir nous donner encore un autre son. Ouais. Et on va conclure cette soirée. Ok, pas de problème. Yeah, yeah, you and me forever, girl. For the new story, baby, I'm so glad to get you, lady. Let us go on this way. No one can trouble my love, because you are my boo, my boo, 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 boo. Do you know it, know it, last time I came back here to see you, my girl. And you're ill, daddy, like you not tell me, boy, return. You are the sun shining my heart. You are the moon lighting my way. I never let you down right now. I love you so, baby, you and me forever, girl. For the new story, baby, I'm so glad to get you, lady. Let us go on this way. No one can trouble my love, because you are my boo, my boo, 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 boo. Do you know it, yeah. Please, know it. Merci beaucoup, Ismaël Prince. Ok, merci à vous aussi. Je vous remercie. Je remercie le staff technique et tous ceux qui m'aident et me soutiennent de près ou de loin. Merci.